Bonjour à tous, moi c'est toujours Kaïl, rien n'a changé depuis notre dernière rencontre. D'abord, je vous remercie de regarder cette leçon et je voudrais vous rappeler qu'il est très important d'être abonné à ma chaîne pour m'aider à son développement. Comme vous le voyez déjà, dans cette leçon, on parlera de la guerre. Et donc, le but de cette leçon est de vous apprendre le lexique autour de la guerre. Mais avant de se mettre au travail, faisons un petit quiz. Lesquels des mots suivants vous connaissez déjà? Le déclin, une débâcle, un armistice, une trêve, un traité de paix, un cessez-le-feu, l'invasion, les bombardements, les alliés, l'encerclement, le ravitaillement, et après on prendra encore quelques mots. Si parmi ces mots, il y a des mots que vous ne connaissez pas ou que vous désirez un peu mieux découvrir pour vous, cette vidéo est un choix idéal. Je vous donc conseille de noter les mots qui vous sont mal connus pour découvrir leur signification lors de la leçon. Donc, de plus, ce documentaire, et oui, je crois que j'ai le droit de le nommer comme ça, sera pleinement rempli des verbes au passé simple. Quelle merde! Mais pourquoi pas le réviser? Enfin, j'espère que la vidéo vous sera très utile et donc n'hésitez pas à la regarder jusqu'à la fin. Alors, on attaque! La série que vous regardez maintenant s'appelle Leçon contextuelle et j'ai du mal à trouver le contexte pour le sujet d'aujourd'hui. On a eu la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, plusieurs guerres civiles, mais après avoir beaucoup réfléchi, j'ai opté pour celle de Crimée, qui a eu lieu ou qui eut lieu en Crimée entre 1853 et 1856. Bref, je me mets au contexte parce que c'est bien lui qui règne dans mes leçons. Je suis en Crimée, ou plus précisément à Sébastopol, ville héros, ville de la gloire, ville de la grandeur, une ville splendide. C'est bien elle qui est devenue la cible des armées étrangères, dont la française, pendant la guerre. Mais c'est quoi le casus belli, les raisons et les prétextes de cette guerre? Je vais essayer de vous répondre dans un instant, mais premièrement, je vous expliquerai le sens de l'expression casus belli. Issue du latin, elle signifie casus, cas, belli, guerre. Littéralement donc, le cas de la guerre. Bon, selon les articles scientifiques, le casus belli de la guerre, c'était l'occupation russe des principautés danubiennes, la Moldavie et la Valachie, qui se situaient le long du Danube, un grand fleuve d'Europe se jetant à la mer Noire, qui, à cette époque-là, vivait sous l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, à ce temps-là, surnommé l'homme malade de l'Europe, étant entré dans une phase de déclin, encore un nouveau mot, et il allait s'effondrer, ce qui entraîna une certaine crainte chez la France et le Royaume-Uni qu'il tombe dans les mains de la mer
patrie, la Russie, tout en devenant le vassal de cette dernière. Il avait même perdu la Turquie, tous ses territoires au nord de la mer Noire, dont la péninsule de Crimée, au profit de la Russie. Bref, l'effondrement de l'Empire ottoman, à son tour, aurait fait de la mer Noire un simple lac russe et aurait bouleversé l'équilibre des puissances en Europe. Les tensions furent accrues par les disputes entre chrétiens occidentaux et chrétiens orientaux pour le contrôle des lieux saints en Palestine. Encore quelques mots. Les combats de la guerre de Crimée se sont éclatés non seulement en Crimée, mais également à la mer du Nord, à la mer Baltique, aux Balkans et même à la Kamtchatka. Par conséquent, on peut bien surnommer cette guerre comme la Zéroième Guerre mondiale, la répétition de la future Première Guerre mondiale qui ravagera l'Europe, qui ravagera tous les empires existants. Mais aujourd'hui, on ne parlera que de la campagne de Crimée. Attendez, mais les affrontements n'ont pas commencé à Sébastopol. Tout a commencé dans une petite ville, dans une autre ville, dans l'est de la Crimée, et on y va tout de suite. Me voilà à Eupatorie. La guerre de Crimée, ou plutôt la campagne de Crimée, commence ici, à Eupatoria. Et le débarquement s'y fut le 14 septembre 1854, dans la baie de Kalamita, près d'une petite ville de l'ouest de Crimée, qui était et reste toujours Eupatoria. Tandis que la cible des Alliés était Sébastopol, à quelques 45 km d'ici, au sud. Voilà. Mais qui sont les Alliés? Dans notre contexte de guerre, ce sont des pays réunis pour lutter contre ou attaquer un autre pays ou un groupe de pays. La décision d'attaquer la Crimée fut prise sans véritable préparation. Les commandants alliés ne disposaient d'aucune carte de la péninsule et ignoraient l'importance des défenses russes. Par ailleurs, la lecture des récits de voyage les avait convaincus que le climat était doux, ce qui, associé à la croyance à une victoire rapide, les fit négliger les préparatifs pour un combat hivernal. De leur côté, les soldats n'avaient pas été informés de leur destination et certains pensaient qu'ils seraient déployés dans le Caucase. Même après avoir pris la mer, le lieu de l'attaque faisait débat. Revenons à notre embarquement. Si celui-ci des Français fut achevé en moins d'une journée, celui-ci des Britanniques fut particulièrement chaotique et dura près de 5 jours. Ce retard réduisit les chances de succès d'une attaque surprise contre Sébastopol, dont on va parler un peu plus tard, et l'avancée vers le sud ne débuta que le 19 septembre. Les Russes ne s'attendaient pas à l'arrivée des ennemis par ce côté et donc n'étaient pas prêts. Bref, pour mieux comprendre ce que s'est passé ici au 19e siècle, je vous propose de commencer par visiter le musée de la guerre de Crimée. Mais d'abord, qui étaient les belligérants dans cette guerre? Belligérant, ça se dit d'un pays en état de guerre avec un autre. En fait, à la guerre de Crimée, on prit part la France, qui cherchait à prendre une revanche après la guerre de 1812, l'Angleterre,
qui était l'allié de la France et l'ennemi de la Russie, l'Empire ottoman, qui avait beaucoup de problèmes et qui avait peur de perdre ses territoires pour la Russie, le royaume de Sardaigne, un petit pays avec sa capitale à Turin, qui aujourd'hui n'est qu'une partie de l'Italie. Jean-Napoléon III lui a promis de rassembler et réunir toute l'Italie sous la couronne sardaigne. Et aussi comme ami, c'était l'Empire autrichien. Voilà. Les commandants en chef dans cette guerre, c'était Omer Pacha de la part de l'Empire ottoman, Menchikov de la part de l'Empire russe, Raglan de la part de l'armée anglaise et bien sûr Saint Arnaud de la part de l'armée française. Pendant cette guerre, les pays participants à la guerre étaient dirigés par Nicolas le Premier, qui est malheureusement mort pendant la guerre. Ensuite, c'était Alexandre II, son fils, qui devient l'empereur russe pendant la guerre. De la part de la France, c'était bien sûr Napoléon III, le neveu de Napoléon Ier Bonaparte. En Angleterre, c'est la reine Victoire qui régné. De la part de Turquie, c'était Abdulmejid et le royaume de Sardaigne, c'est Victor Emmanuel II. Cette guerre a laissé beaucoup de traces dans le monde, en France, en Turquie, en Angleterre et ici en Russie aussi. Ce sont des monuments, des curiosités, des obélisques, des musées, des tours et plein d'autres choses. En voici quelques exemples. On va commencer par ce monument-ci où il est écrit « Aux défenseurs braves du tsar et de la patrie qui sont morts ici le 5 février 1855 pendant l'essai de la prise d'assaut de la forteresse des Patories ». Mais aussi de nombreux mémoriaux furent construits par exemple au Royaume-Uni pour commémorer les soldats morts durant le conflit. Je donne la parole à mon apprenante Valérie qui habite à Londres et elle va nous... Мальчик, иди в жопу отсюда! Elle va nous parler d'un de ces monuments. Salut tout le monde! Nous sommes à Londres, la capitale du Royaume-Uni. C'est le centre-ville et cet endroit s'appelle Waterloo Place. Ici, on peut voir le monument qui commémore la victoire des Alliés lors de la guerre de Crimée. Dévoilé en 1861, le monument se compose des statues de trois gardes et d'une figure allégorique féminine qui signifie victoire. Ces statues ont été réalisées avec le bronze des canons russes capturés à Sébastopol. Ce qui est important est qu'il s'agissait de la première fois que de simples soldats étaient représentés dans un mémorial. Les héros n'étaient plus les officiers supérieurs et ceux de la noblesse, mais les simples tomises. Certes, tout comme les troupes des Alliés, nous aussi nous dirigeons vers Sébastopol. Mais on fera une halte pour parler de la première bataille de la guerre. Celle de l'Alma sur la colline de l'Alma, tout au long du fleuve Alma. Je me suis rendu sur le champ de la bataille d'Alma et je vais essayer de vous parler malgré le vent fort qui souffle. Alors, c'est bien ici que le 20 septembre 1854 s'éclata la bataille d'Alma. Les Alliés, en général, représentés par les Zouaves. Les Zouaves sont des soldats d'origine algérienne et issus d'autres colonies françaises sont venus d'Épatoria, sont venus du nord.
comme son état-major, le général Menchikov, qui commandait les forces russes dans la péninsule, ne s'attendait pas à une attaque alliée à l'approche de l'hiver et fut complètement pris par surprise. Les civils russes, paniqués, s'enfuirent tandis que les Tatars, qui représentaient 80% de la population de la péninsule, se soulevaient en soutien de l'invasion. Vous parlez. Voilà. Ne disposant que 38 000 soldats et de 18 000 marins le long de la côte sud-est, Menchikov déploya la quasi-totalité de ses forces terrestres et une centaine de canons sur les hauteurs, surplombant la rive sud du fleuve Alma, qui se trouve juste ici. Les commandants russes étaient certains de pouvoir résister jusqu'à l'arrivée du général hiver, l'hiver froid, l'hiver sévère de Russie. Et ils invitèrent même des civils à assister à la bataille. Malheureusement, la débâcle, c'est le terme qui désigne la défaite d'une armée pendant une bataille, a eu lieu le jour même. C'est ce qui a permis aux alliés de continuer leur attaque et de s'approcher vers Sébastopol qui se trouvait au nord. Bah, bien sûr qu'au sud, pardonnez-moi cette erreur géographique. Aujourd'hui, afin de commémorer la bataille de l'Alma, cet endroit est transformé en mémorial. Là, presque 1000 mortes et à peu près 7000 blessés. Ainsi qu'après la bataille, le maréchal de sang Arnaud, malade du choléra, expire. Une demi-douzaine de monuments commémoratifs se trouvent sur la colline de l'Alma, dont un obélisque construit en 1884 en l'honneur des soldats russes et un édifice de 1902 rendant hommage au régiment de Saint-Vladimir. Nombreuses fosses communes des soldats russes, français, anglais. Une petite chapelle et une tombe des officiers anglais. Au début du 21e siècle, des squelettes de soldats sont exhumés sur le champ de bataille et certains sont transportés en France et au Royaume-Uni. La bataille de l'Alma a permis aux Russes de retarder l'avancée vers Sébastopol et est devenue le prologue pour le siège de Sébastopol. Sans le soutien de leurs navires, les alliés estimèrent qu'une attaque frontale depuis le nord contre des fortifications jugées solides serait trop dangereuse. Et ils décidèrent de se déployer au sud où ils pourraient plus facilement être ravitaillés par la mer via les baies arbitrées de Balaklava pour les Britanniques et Kamiesh pour les Français. Le ravitaillement, se ravitailler, ravitailler quelque chose, signifie livrer des produits, des vêtements et de l'arme. Que l'armée anglaise se basa ici à Balaklava, là ils ont laissé pas mal de traces. Ils ont refait le quai et aujourd'hui on peut y trouver un petit morceau de ce quai, disons, historique. Il est écrit qu'il a été construit par les Anglais pendant la siège de Sébastopol de 1854 à 1855. Et voilà, il est entré dans l'ensemble historique de la ville. Ce qui est vraiment curieux, c'est que cette ville a donné son nom à un bonnet que peut-être vous connaissez sous le nom de Cagoule, Passe-Montagne ou Cache-Face. Mais dans plusieurs langues, on dit quand même Balaklava ou Balaklava avec un K. Il s'agit par antonomase d'une référence à cette ville
qui fut en effet le théâtre de la bataille de Balaklava, durant bien sûr la guerre de Crimée, au cours de laquelle des cagoules tricotées ont été envoyées à destination des troupes britanniques pour permettre de se protéger du froid. La ville de Sébastopol a été bien fortifiée et a été bien protégée du côté sud. Il y avait à peu près 10 forts, forteresses, ravelins, comme vous voulez. Maintenant, je me trouve dans le fort Michel, qui était l'un des forts qui protégeait Sébastopol. Il a été construit en 1846 et ce fort a été nommé Fort Michel à l'honneur du comte Mikhail Nikolaevitch, qui était le fils de l'empereur russe Nicolas Ier. À force d'être attaqué plusieurs fois par la Turquie et d'autres connards, et afin de protéger l'empire dont la péninsule de Crimée les Russes ont construit Fort Constantin, Fort numéro 1, Fort Michel, Fortress Severnaya, Fort numéro 4, Fort Paul, Fort Nicolas, Fort Alexandre, Fort numéro 10. Pas mal, n'est-ce pas? De nos jours, le Fort Michel n'est plus un fort, ni un hôpital non plus. C'est un très bon musée représentant la guerre de Crimée, la guerre civile du début du XXe siècle et la Grande Guerre patriotique. Notre équipe remercie les employés du musée pour une excursion foisonnante et très détaillée. Merci beaucoup. Pour protéger la ville et pour empêcher aux alliés d'entrer dans la rade de Sébastopol, je voulais vous en parler dans le contexte. Là, il faut préciser qu'on est retourné à Sébastopol où a eu lieu le siège dont on parlera très bientôt. C'est lui qui a décidé l'issue de la guerre. Pour y arriver, on doit traverser la rade générale en ferry ou en navet. Pour protéger la ville et pour empêcher à l'armée des Alliés d'entrer dans la rade de Sébastopol, le gouvernement et les commandants de l'armée russe ont décidé de détruire et de faire couler les bateaux à l'entrée de la baie. C'était vraiment triste, c'était vraiment difficile pour les marins, pour les maréchaux, etc. Mais c'était une décision qui a permis de protéger la ville, qui a permis d'obtenir quelques avantages, quelques jours de plus pour défendre la ville. En effet, le monument qui est devenu le symbole principal de la ville est issu de cet événement. Le monument au navire coulé ou naufragé, conçu par Amandus Adamson et construit par Valentin Feldman. Il a été érigé en 1905 à l'occasion du 50e anniversaire du siège de Sébastopol
pendant cette guerre, dans laquelle de nombreux navires de la marine impériale russe ont été détruits, la plupart faisant partie de la flotte de la mer Noire. Il s'agit d'une colonne érigée sur un piton rocheux posé dans la mer. Aux années 60 du siècle précédent, le monument a été inclus dans les armoiries de Sébastopol et le 12 avril 2000 dans le drapeau de cette ville. Après la perte, après la défaite de l'armée russe, le peuple survécu, les soldats et les marins survécus sont venus ici sur le côté nord de la ville pour continuer le combat. Et moi je me trouve actuellement près du fort Michel qui à l'époque servait d'un hôpital pour les blessés et pour les malades. Pour évacuer Sébastopol et s'installer ici sur cette rive, les Russes construisirent en quelques jours un pont flottant de 960 mètres de long en travers de la rade. L'évacuation dura toute la nuit et au matin, les derniers défenseurs provoquèrent un incendie qui dura 3 jours. Mais on y reviendra encore plus tard. Le siège de Sébastopol est l'épisode principal de la guerre de Crimée. Pénible et meurtrier, il dura 11 mois, du 9 octobre 1954 au 11 septembre 1855. Le choléra, le scorbut et d'autres maladies furent de nombreux morts. Dans ses récits de Sébastopol, Léon Tolstoï détaille le siège avec un style mêlant le reportage et la fiction. En septembre 1854, les troupes alliées britanniques, françaises et sardes atteignirent Sébastopol et commencent le siège de cette ville. Port d'attache de la marine impériale russe sur la mer Noire, dont la flotte menaçait la Méditerranée. Mais avant que la ville ne fût encerclée, l'armée impériale russe parvint à s'en échapper. À savoir que l'emplacement du panorama ne correspond pas à l'endroit illustré sur ce dernier. La scène se déroula sur le mont Malakoff, où nous nous déplacerons d'ici peu. Siège de Sébastopol est un panorama peint par Franz Roubaud en 1904. Il mesure 14 mètres de haut sur 150 mètres de large. Il est conservé ici à Sébastopol dans ce bâtiment. Cette toile représente une scène historique, le siège de Sébastopol. Le siège de Sébastopol, c'est l'occupation, l'encerclement de la ville quand les Alliés auraient essayé de prendre cette ville d'assaut. Voilà. Et on va maintenant visiter le panorama pour en découvrir plus de détails.
Le panorama est un mot d'origine grecque qui est un mot valise dont pan signifie tout et orama spectacle. Dans notre contexte, c'est donc une peinture développée circulairement sur le mur intérieur d'une rotonde et donnant l'illusion de la réalité par des effets de perspective et de trompe-l'œil. Sur la peinture est illustré le commencement d'une prise d'assaut du mont Malakoff tôt le matin, le 6 juin 1855. Malheureusement, la toile qu'on voit n'est pas celle de Roubaud, elle n'est pas véritable. Vu que la ville a été bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale, le panorama a été brûlé. Celui qu'on peut découvrir aujourd'hui n'est qu'une copie très précise et scrupuleusement restaurée par les spécialistes soviétiques. Mon petit pouce m'a dit qu'il y avait encore une curiosité liée à la guerre de Crimée. Se trouvant ici sur le territoire de Kherson historique, cet objet de 5616 kg est né en Russie, a séjourné en France et pas n'importe où, mais dans la cathédrale la plus connue de la France, bien sûr celle de Notre-Dame de Paris. Avez-vous compris de quoi s'agit-il? Là, voilà la cloche de Kherson. Fondu en 1778, il a été envoyé à Sébastopol par l'oukase d'Alexandre Ier en 1803. Après, amené en France comme trophée de guerre, voire volé, en 1855, donc après la guerre de Crimée. Et il est revenu en Russie en 1813 par l'initiative du consulat français à Sébastopol, celui-ci, Louis Guay. J'espère qu'il n'était pas gay. Bien sûr que cette guerre est très connue en Crimée, elle est très mémorisée et il y a beaucoup d'expositions, de musées, d'installations consacrées à cette guerre, comme celle-ci que nous allons visiter avec vous tout de suite. Les Français ainsi que les Britanniques croyaient occuper la Crimée et y rester pour longtemps, voire pour toujours. C'est pour ça qu'ils ont même commencé à construire leur propre ville, qui n'était pas de simples camps. Elle disposait des théâtres, de petits bistrots, des places, des rues, etc. Mais leur rêve n'allait pas se réaliser. Et après le traité de paix de Paris, ils quittent la péninsule. Voilà le baraque traditionnel de l'armée française qui était déposé dans cette région. Vous pouvez voir leur lit, leur table, leur équipement et leur uniforme. Et là, on va continuer. Passons d'ici à la leçon d'architecture militaire. En général, sur le champ de bataille, en lieu où se déroule une bataille entre deux ou plusieurs armées, terrain où se livre la bataille, ou afin de protéger une ville, des forces militaires organisent des enceintes, clôtures continues enveloppant une place ou une partie de place pour sa défense. Parfois des remparts, enceintes formées par une levée de terre dont la poussée est souvent retenue par un mur de soutènement, en bois ou en maçonnerie. Le terre-plan est la plateforme supérieure du rempart servant d'emplacement de tir. On y construit des bastions, ouvrage pentagonal, bas faisant saillie sur l'enceinte. On y installe des arsenaux, un arsenal au singulier, atelier de fabrication et de réparation ou simple dépôt pour les armes et les munitions. Les canons et les armes sont déposés dans les batteries, emplacement réservé pour recevoir quelques pièces d'artillerie. La batterie
constitue parfois un petit ouvrage distinct. Et les soldats mènent la bataille, ouvrent le feu tout en étant dans les tranchées, qu'on utilise également pour se déplacer entre des points différents. Les officiers et les commandants se trouvaient en général à l'abri, dans leur blindage, abri de combat. Autour des forts et des forteresses se trouvent souvent des fossés, obstacles constitués par une tranchée. Son profil est donc sous le niveau du terrain, il peut être sec ou en eau. Ajoutons aussi des casernes, constructions destinées au logement des troupes. Dans la description de la vidéo, je vous ai laissé le lien du site où vous pouvez en apprendre plus. Je tiens à remercier tous mes abonnés, tous mes spectateurs qui ont décidé de sponsoriser la création de cette leçon contextuelle. Comme je vous ai promis, vos prénoms et vos noms apparaîtront ici et chacun de vous obtiendra une carte postale. Merci beaucoup encore une fois parce que c'est grâce à vous que j'ai pu réaliser cette belle leçon. J'ai compris qu'un travail vraiment gigantesque a été mené pour créer ce lieu d'exposition consacré à la guerre de Crimée. Bien sûr que nous devons remercier les employés du musée. J'espère que la visite de cet endroit vous a plu. On se trouve maintenant sur l'endroit où a eu lieu la bataille de la rivière Tchornaïa, où l'armée des Alliés a été attaquée par l'armée russe. Encouragés par leur succès, les Russes décidèrent d'attaquer le flanc droit britannique au mont Inkerman, surplombant la rivière Tchornaïa, se jetant à l'extrémité de la rade. S'ils parvenaient à s'emparer de cette hauteur, ils pourraient y déployer leur artillerie et pilonner les lignes alliées. Pris à revers, ces derniers n'auraient plus qu'à lever le siège et évacuer. Puisque ce documentaire n'a vraiment pas de but historique, mais plutôt pédagogique, on ne va pas trop aller aux détails ici. À savoir que, même si la bataille n'avait duré que quelques heures, les Russes déplorèrent 15 000 tués ou blessés contre 2 070 pour les Britanniques et 1 726 pour les Français. Pour les Russes, la bataille d'Inkerman fut un coup rude et Menchikov proposa l'évacuation de Sébastopol, dont la chute paraissait inéluctable pour mieux défendre le reste de la Crimée. Sébastopol était une ville militaire comptant environ 40 000 habitants et une garnison de 18 000 hommes composée en général de marins. Si l'entrée de la rade à l'ouest et le port étaient défendus par de puissantes fortifications, les protecteurs du côté de la terre étaient bien moins importantes, car une autre attaque de cette direction était jugée peu probable. L'une des batailles importantes de la guerre de Crimée s'est déroulée ici, près de Balaklava, juste là, à la vallée de Balaklava. Le bombardement de la ville assiégée qui dura 12 heures furent décevants. Sur mer, les navires n'étaient pas parvenus à se rapprocher suffisamment pour pouvoir infliger de sérieux dommages aux fortifications. Après ce succès défensif, les Russes décidèrent de briser le siège de la ville. Menchikov, ayant rassemblé ses troupes et reçu le renfort, décida d'attaquer les défenses britanniques de Balaklava. Les Russes étaient bien préparés en apportant même des canons de marine. Les Britanniques, pris aux surprises, envoient contre les obus noyaux des canons russes quelques escadrons, troupes de cavaliers armés. Aujourd'hui, on doit à cette bataille l'apparition de l'expression de la chair à canon, qui désigne les soldats considérés en temps de guerre comme destinés à être tués. Avez-vous une expression pareille dans votre langue?
Bien que la bataille se soit déroulée à corps et à cri, elle s'acheva sans véritable vainqueur. Aussi, je dois ajouter que la guerre de Crimée était une guerre vraiment techniquement développée et vraiment moderne. On a utilisé du télégraphe, des chemins de fer, de la photographie et encore plein de choses. Ni en Russie, ni en France, ni en Angleterre, nulle part on a oublié cette guerre. Il y a beaucoup d'expositions, il y a beaucoup de musées, il y a beaucoup de monuments et on commémore régulièrement cette guerre et la défaite de l'armée russe. Encore deux termes importants sans lesquels il serait impossible de parler d'une guerre. Entre les batailles et les affrontements, il y avait bien sûr eu lieu des trêves, cessation temporaire de tout acte d'hostilité et des cessez-le-feu, arrêt des hostilités sous certaines conditions. En continuant à parler des monuments, des traces, des mémoriaux laissés après cette guerre dans le monde entier, près de Balaklava, où il y avait lieu la bataille de Balaklava, se trouve cette pierre de réconciliation, installée en 2003 par l'ordre du président ukrainien Kouchma, qui a invité à son inauguration le cousin de la reine Elisabeth II avec sa femme, aussi l'ambassade russe à l'époque en Ukraine et l'ambassade française Michel-Yves Pessic, et bien sûr l'ambassade d'Italie et l'ambassade de Turquie. Ce monument représente une pierre mal taillée, brutalement taillée, qui était amenée ici dans le cimetière municipal de Sébastopol. Ou par exemple cette stèle, cette colonne qui commémore les soldats russes morts, les soldats russes blessés dans la bataille de Balaklava. En filmant ces mémoriaux, on en a aperçu un autre, non loin, tout par hasard, caché dans les vignobles. À cause de quoi, il est presque inaccessible et on a pu le filmer qu'avec le drone. Plus tard, j'ai appris que c'était le mémorial aux soldats anglais tombés dans la bataille de Balaklava. Notons qu'il a été érigé au centre géographique de la vallée de Balaklava en 1856 par les Anglais et rénové plusieurs fois depuis. Winston Churchill a visité cet endroit en 1945 lors de la conférence de Yalta où se décidait un nouvel ordre mondial après la Seconde Guerre mondiale. L'issue de la guerre se décida ici, le mont Malakoff, au cœur de Sébastopol. Assiégée et encerclée par les troupes franco-britanniques, la ville résista pendant 11 mois. Bien que Sébastopol se soit défendue héroïquement et que son attaque ait coûté la vie à de nombreux alliés, sa chute marque le début de la défaite russe lors de la guerre de Crimée. Malakoff est le nom d'une colline située à proximité du bourg militaire de Sébastopol. Après le début du siège de la ville par les troupes françaises et britanniques en septembre 1854, les Russes érigent des défenses qui finissent par former un vaste réduit large de 150 mètres et profond de 350 mètres au sommet de la colline.
point culminant de la ligne fortifiée défendant Sébastopol, Malakoff est l'élément central du système défensif russe et les Français qui sont déployés face à lui mettent tout en œuvre pour le capturer. Le 8 juin, les Français s'emparent des redoutes que les Russes ont érigées en avant de Malakoff pour le protéger et planifient un assaut direct pour le 18 juin, jour anniversaire de la bataille de Waterloo. Aujourd'hui transformé en parc, le mont Malakoff attire de nombreux touristes, de nombreux visiteurs et de nombreux citadins qui s'y reposent. Mais j'espère qu'ils se rendent compte de ce qui s'est arrivé ici aux années de la guerre de Crimée ou aux années de la Seconde Guerre mondiale. Et vraiment soutenir les émotions que j'éprouve maintenant, c'est un peu difficile parce que tellement de morts, tellement de blessés, tellement de héroïsme et tellement de pertes du côté des alliés et du côté russe. 15 000 morts et blessés des alliés et à peu près 30 000 du côté de l'Empire russe. C'est affreux. Mal préparée et coordonnée, cette attaque concomitante avec un assaut britannique contre la fortification adjacente du Grand Redan est un sanglant revers où les Français perdent au moins 3500 hommes. Désireux de prendre la ville avant le retour de l'hiver, les Alliés redoublent d'efforts pour affaiblir les défenseurs et les tranchées françaises se rapprochent jusqu'à seulement 25 mètres du fossé de Malakoff. Après une intense préparation d'artillerie, les Alliés déclenchent un assaut général contre l'ensemble de la ligne défensive le 8 septembre. Une violente contre-attaque permet aux Russes de reprendre les redoutes perdues. Finalement, l'arrivée de renforts et l'épuisement des défenseurs permirent aux Français de s'emparer du bastion de Malakoff dominant la ville le 8 septembre 1855. Les Russes évacuèrent Sébastopol le lendemain. Le cimetière français de Sébastopol est le plus important cimetière militaire français qui se trouve à l'étranger. Situé à Sébastopol, en Crimée, les restes de près de 45 000 soldats français sur les 95 000 morts lors de la guerre de Crimée y reposent. Signe de rapprochement diplomatique franco-russe à la suite du traité de Paris 1856, la France ainsi que le Royaume-Uni et l'Italie est autorisée par l'empereur russe Alexandre II a rassemblé dans une nécropole unique les dépouilles de ses soldats dispersés dans les dizaines de cimetières militaires en Crimée. Construite à partir de 1863, elle se composait d'un mausolée central où étaient enterrés les généraux et leurs officiers d'état-major et de 17 caveaux secondaires renfermant les ossements des soldats français morts au combat ou de maladie. Endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale, le cimetière sera détruit en 1982 pour en récupérer les matériaux. En 2004, un nouveau mémorial est inauguré sur l'emplacement même de l'ancien cimetière. Yeah.
Et pour continuer à parler des traces que cette guerre a laissées en Russie, surtout en Crimée, je vais vous montrer les tombes. L'une de ces tombes est celle de Selim Pacha, qui était le commandant en chef de l'armée ottomane et qui est décédé, qui est mort ici à Eupatorie pendant la prise d'assaut de la forteresse de Patori par l'armée russe. L'église Saint-Nicolas le Thaumaturge, située à Eupatoria, fait partie de l'héritage après la guerre de Crimée, construite quelques ans après la guerre à la place d'une église détruite lors de l'occupation, où, après pendant longtemps, toutes les messes étaient dédiées aux soldats tombés lors de la guerre de Crimée. Franchement, ici, on a dû filmer un noyau de canon coincé dans un mur, mais c'est fermé. Donc, pas de canon, pas de noyau non plus. Pendant ces 2 ans, cette guerre a causé... Alors là, c'est l'église arménienne et on nous a dit qu'ici, il y a un panneau avec les signatures des soldats français qu'ils ont laissés ici pendant la guerre de Crimée, pendant l'occupation d'Eupatoria et de cette côte de Crimée. Mais l'église est fermée, tout comme le monument précédent. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la journée des portes fermées, quoi. Mais par contre, on va essayer d'y entrer, je ne sais pas comment. Mais ça me plaît énormément, que tout est fermé, tout est fermé. On a beau chercher ces signatures, aucun résultat. L'église était fermée, pourtant j'ai pu y revenir quelques semaines plus tard et l'employé de l'église m'a indiqué où se trouvaient ces inscriptions lapidaires. À droite de l'entrée, on y était tellement proche pendant notre première visite. Quelle ironie! Toutes les guerres finissent tôt ou tard par un traité de paix, texte proclamant la fin d'une guerre. Le traité de Paris a été négocié pendant 6 mois et a été signé le 30 mars 1856 et met fin à la guerre de Crimée. Il déclare la neutralité de la mer Noire et interdit la navigation aux navires de guerre et la construction de fortifications. Par conséquent, la Russie est privée d'y avoir une flotte et laisse Sébastopol et ses alentours abandonnés pour quelques décennies. La situation changera bientôt après la défaite française lors de la guerre franco-allemande de 1870, après quoi la Russie a pu regagner sa flotte. Ainsi, le texte poussa les Russes à revendiquer une victoire morale, d'autant plus que les négociations à Paris restaurèrent le statu quo sous la gestion des lieux saints qui avait été le prétexte initial de la guerre de Crimée. La guerre plutôt privée de sens dont la seule conséquence était de faire retarder le développement de la Russie. La Russie n'a pas perdu de territoire, sauf quelques-uns qu'elle a dû rétrocéder. Aucun d'autre pays n'a gagné de territoire, sauf quelques principautés qui sont devenues plus autonomes. Des milliers de morts, des milliers d'handicapés, des villes détruites, des destins brisés. Grâce au travail mené pour créer ce documentaire, j'ai appris beaucoup de quoi et j'ai commencé à mieux comprendre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Après toutes les guerres, la vie revient à l'ordre normal. Toutes les guerres finissent tôt ou tard. Même celle de 100 ans a fini en 1453. Mais ça, c'est déjà une autre histoire.
Je me suis rappelé d'un cas curieux, d'une anecdote que je voudrais partager avec vous. Selon le traité de paix, le traité de Paris, la Russie serait privée d'avoir une flotte militaire à la mer Noire. Bien sûr que la Russie était d'accord, mais 10 ans plus tard, l'Empire français tombe et on voit naître la Première République. Et le tsar russe dit que le traité de paix a été signé avec l'Empire français, mais l'Empire français n'existe plus, c'est la République française. Donc le traité de paix n'a plus aucun pouvoir sur nous. Et comme je l'ai déjà dit, elle a pu regagner sa flotte. Bien sûr que la guerre a laissé ses traces à Paris et en France. Regardez la carte de France, le plan de Paris. Vous y trouverez, à titre non exhaustif, rue de Crimée, boulevard de Sébastopol, rue Eupatoria, la station de métro Crimée, rue Bosquet, cité de l'Alma, boulevard d'Ankermann, la station de métro Réaumur-Sébastopol, le pont de l'Alma, la ville de Malakoff et beaucoup d'autres endroits. Alors, nous sommes sur le point de finir notre leçon contextuelle. Après avoir travaillé pendant une semaine, je pense que j'ai pu réaliser une très bonne leçon pour vous, une très bonne vidéo pour vous. Encore une fois, je vais remercier tout le monde qui ont décidé de sponsoriser la création de cette leçon. Dites-moi en message direct quand vous recevrez vos cadeaux, vos petites cartes postales de Sébastopol avec les représentations des tableaux de la guerre de Crimée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas et n'hésitez pas d'aller découvrir toutes mes leçons contextuelles dans lesquelles j'ai déjà parlé de l'énergie nucléaire, des voitures, de la viticulture. Voilà. Et dans les commentaires, vous pouvez me suggérer les idées pour mes prochaines leçons contextuelles. Abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez j'aime si la vidéo vous a plu et à très bientôt sur la chaîne YouTube Le français avec Monsieur Caïl et les voyages aussi avec Monsieur Caïl. Ciao!